La voile se lève de plus en plus sur les traîtres à la patrie. En effet, des sources informent que des individus suspects de pratiques d'espionnage au profit des groupes terroristes sont identifiés dans les régions du septentrion malien. On parle de Menaka où, d'après les confidences, des conversations auraient été interceptées mettant en cause des hommes bien connus à la fois par les autorités et les mouvements armés dont l'action a conduit à l'invasion de plusieurs régions. En effet, dans un audio de 13 minutes qui circule sur WhatsApp, un chef de fraction Idiguritan communique avec un jeune qui est passé comme envoyé du nommé terroriste Petit Ali, chef de Marcas de Tissalatène. La mission de Appelant est de prendre auprès de ce dernier toute information sécuritaire, surtout en lien avec l'arrivée de la CMA à Menaka, pouvant aider le IGS à prévenir toute surprise d'une autre force. Il rassure l'envoyé qu'il a eu des discussions avec le chef de la CMA qui n'ont aucune intention de s'attaquer à l'EIGS et qu'ils sont arrivés dans le cadre des négociations pour les civils qui le désirent. En prêtant allégeance à l'EIGS, que la CMA attend son arrivée lui et un certain Guichema pour déclencher cette initiative. Il demande à son appelant de faire beaucoup attention à ceux qui sont avec Moussa. En l'occurrence le MSA qui est en préparation sur des sites et qui attend des alliés comme les FAMA pour s'attaquer à Leg.IL, demande à l'envoyer des petits alliés de faire surtout ceux qui refusent la paix en adhérant à l'EIGS.